Dans son fantasme, il souhaitait vraiment avoir une poupée qui pouvait animer et qui pouvait rappeler un amour passé. Et Kokoschka finalement finira par détruire cette poupée au cours d'une fête. Une fête apparemment très, très arrosée où il la décapite. Beaucoup de pays, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Il a habité aussi en Allemagne, en République tchèque, à Paris quelques années, aussi en Angleterre. C'est quelqu'un qui a traversé les deux guerres mondiales en y étant engagé à chaque fois à plusieurs reprises. Et donc visiter cette exposition, c'est vraiment traverser le XXe siècle à ses côtés et toutes les révolutions picturales qui l'ont accompagné. La critique le qualifie d'Oberwidling, c'est-à-dire le plus sauvage d'entre tous. Et effectivement, Oskar Kokoschka va complètement endosser ce personnage, puisque dans les premières années à Vienne, il se rase la tête, donc comme un repris de justice en fait. Ce qui va engendrer en fait une forme de rejet de la bonne société viennoise. C'est un autoportrait tout simple où Kokoschka se représente dans un environnement bucolique, les bras croisés, il regarde fixement le spectateur. Simplement, le titre modifie complètement la perception qu'on en a. En reprenant le terme artiste dégénéré, il vient défier le pouvoir nazi qui, à ce moment-là, a mis au banc toutes ces œuvres qui ont été retirées des musées allemands, et il défie ce pouvoir en revendiquant ce terme et en s'engageant activement contre le fascisme à ce moment-là. Quelques années après leur rupture, il demande à une costumière et peintre de réaliser une poupée à l'effigie d'Alma Mahler, qu'il va mettre en scène dans son atelier, qu'il va sortir avec elle, l'habiller, etc. Donc il y a vraiment tout cet aspect d'exploration presque performative qui est extrêmement avant-gardiste pour l'époque. Kokoschka a un côté punk dans le sens où ça a été un provocateur. C'est quelqu'un qui a aimé provoquer, déranger la bonne société, essayer de pousser la représentation et certains questionnements dans leur retranchement. Et en tout cas, son idée n'était absolument pas de proposer une représentation rassurante du monde. Il y avait un critique qui disait de lui, c'est un révolutionnaire conservateur, et je pense que c'est quelqu'un qui effectivement allie les paradoxes et les contient en lui, et c'est ça qui fait que son œuvre est encore extrêmement passionnante et complexe à découvrir pour nous aujourd'hui.